recommencé à zéro sur TikTok, puis je voulais atteindre les 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Voici ce que je ferai en priorité. Je lancerai ma première mini-série, comme je te l'explique dans cette vidéo-là. Créer une mini-série, c'est une des meilleures façons de gagner des abonnés puis de bâtir une communauté, parce que les gens vont avoir envie de revenir sur ton contenu pour en voir plus. Plusieurs personnes m'ont demandé des idées pour créer leur première mini-série, donc let's go, ajoute ça à tes favoris! Le premier type de mini-série, c'est les challenges, un petit peu comme j'ai fait dans mon TikTok Glow Up. C'est un challenge de 30 jours sur TikTok pour t'aider à percer sur la plateforme. Donc quand on parle d'un type de challenge comme ça qui était sur une période donnée, donc pendant 30 jours consécutifs, je publiais une vidéo en lien avec mon challenge gratuit. T'as pas besoin de créer un challenge gratuit pour créer une super bonne série qui va donner envie aux gens de revenir. Il y a un créateur québécois que j'aime beaucoup suivre, La Pieuvre Graphiste. Lui, il est designer graphique puis il fait de la critique de logos. Donc, il critique des logos hors d'été de compagnies québécoises. Et il les redesigne puis il montre le résultat final à son audience. C'est vraiment une idée de génie parce qu'il démontre son expertise. Il crée un peu de controverse. Parce que ça vient polariser l'audience, les gens qui sont d'accord ou pas d'accord avec sa critique. Puis ça crée l'effet Netflix que je vous parle souvent quand les gens ont envie de binge-watcher tes vidéos. Je suis convaincue que cette série-là lui a apporté plein de clients. Ensuite, une série pour débutants, donc tu pourrais inscrire ta niche et enseigner quelque chose à ton audience qui débute dans ta niche, dans ton industrie. Sinon, tu pourrais créer une série où tu révèles des secrets dans ta niche. Et si tu es dans le coaching, tu pourrais faire des audits, des feedbacks à ton audience, donner de la rétroaction en vidéo, encore une fois pour démontrer ton expertise. Dis-moi dans les commentaires, ça va être quoi ta prochaine série? Et surtout, abonne-toi pour plus! Mouah!